Presque 2 semaines que j'ai signé le contrat avec Transmaster, donc je suis vraiment vraiment heureux pour ça. Transmaster m'ont fait confiance. Merci à eux, merci beaucoup de m'avoir permis d'être ambassadeur de la marque. Vraiment, ça fait vraiment, je répète encore, et ça, personne ne pourra me l'enlever, personne ne pourra me dire que je mens. Ça fait 15 ans que j'utilise du Trustmaster et j'ai jamais été déçu. J'ai jamais été déçu. Voilà, j'ai commencé par un T150. Ensuite, je suis passé chez Logitech. J'ai vu que Logitech, c'était pas terrible. Régis, fais gaffe à ton adresse. Genre en mode les colis et Ah tout. ouais, Parce c'est que ouais, chaud. il commence à avoir des fanatiques là. Ah ouais, Attention. c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, vous êtes pendus, les gars. Oh, calmez-vous. Oh. On cache, on cache, on cache. Du coup, voilà, j'utilise la marque depuis plus de 15 ans maintenant. Comme je vous ai dit, j'étais passé sur Logitech. J'ai pas trop kiffé. Je suis revenu vite chez Trustmaster. T300, TX Racing Wheel, TSXW. Et maintenant, on va voir ce que Trustmaster m'envoie. Je suis comme un dingue. Donc, c'est la première fois que je reçois donc un colis directement de la maison mère de chez Trustmaster. Donc, je suis vraiment heureux. Merci de m'avoir fait confiance. Merci à Théo. Merci à Eric. Merci à toutes les personnes qui sont présentes sur mes lives. C'est un peu grâce à vous, hein, que je puisse, enfin, que je peux être ambassadeur de la marque. Ça m'a permis d'être ambassadeur et on va dire représenter la marque au mieux que je peux, hein, à ma façon. Alors moi, voilà, je pense que vous commencez à me connaître. Moi, je suis quelqu'un, je suis un petit peu peinture nature. Hein. Je sais pas comment on dit. On dit quoi, c'est vrai, quoi? Peinture nature, Ouais, peinture. nature peinture, Nature. Non, peinture. mais en vrai, voilà, je prépare rien, moi. En fait, moi, c'est ça mon truc. C'est que je prépare rien. Donc là, j'ai reçu les colis. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je mets le téléphone, je viens de sortir tranquille, j'arrive à la maison et je balance la caméra. La table, elle est ici. Je Et suis dans mon Tigre, salon. Il y a mon Tigre. chat aussi, ouais, il y a tes Glodex. On va commencer à ouvrir petit à petit. Hein. Tu vas me donner aussi ton avis. Parce que il faut savoir que Trustmaster doivent aussi toucher la gent féminine. Et je veux voir si ma femme, elle valide la marque. Elle valide. Parce que, franchement, il faut le dire. C'est un public qui est très niche, le cyber-racing. Et on essaye de plus en plus d'aller chercher la gent féminine. Ça reste du sport, les gars. Dans certains pays, c'est considéré comme du sport. Et d'avoir du bon matos, c'est quand même très bien. Mais d'avoir du matos très joli, ça. Pas beaucoup de marques peuvent le faire. On ouvre? Commence. T'as un cutter? Non, cut. Ouais, t'es mon assistante. Ok. J'ai mon assistante, les gars. Fais péter. Ouais, j'ai mon assistante. C'est bien. Ramène-moi un café, s'il te plaît, en même temps. Ah, je suis mort. Merci beaucoup hein, pour toutes les personnes qui m'ont félicité, les gars, sur la vidéo. Il y a une vidéo qui tourne sur YouTube. Ambassadeur Trustmaster. Donc là, toutes les personnes qui ont mis des commentaires, incroyables vos commentaires, vous imaginez même pas, je suis en train de me transformer en Super Saiyan, les gars. Grâce à vos commentaires, c'est une dinguerie. Vous êtes trop bons, les gars, vous êtes trop bons, franchement. J'ai aucun commentaire négatif. J'ai beaucoup, énormément de pouces bleus, franchement, vous régalez. Et toutes les personnes qui m'ont souhaité, bah, tu Si, des fois il y a mérites, des c'est commentaires bien. bizarres. Hein. Ouais, ça va, en Des vrai, fois il y ça a des va. commentaires bizarres, mais bon, Ça me ça touche pas, va. moi, Oui, personnellement. Moi, y a ça me touche rien, pas, pour en l'instant, il n'y vrai. a rien de. Par contre, c'est chaud là. Non, non, fais pas ça, c'est pas. Ok. S'il te Tiens. plaît. Oui, donne. On prend pas de risque. Allez. Allez, c'est parti. On commence par quoi? Tu commences par quel colis? Ça. Alors, il y a plusieurs colis, tu les montres? Vas-y, montre la caméra. Alors, On va faire un tour de magie, les gars. On va faire disparaître du bateau Trustmaster. on a ce petit colis. Ça, je Attends, attends, pense. attends, attends. On ne voit pas. Ah, ouais, on a bien vu. Oh merde. On va se faire tuer, je pense, par des gens bizarres. C'est mort, ça y est, c'est mort. Faut qu'on déménage. Bon, c'est pas grave, on va pas mourir. C'est chaud un peu. Hein. Ah ouais, c'est chaud. C'est un peu T'as chaud pas quand même. confiance en ta commu? C'est ça que Si, t'es en train de dire? j'ai confiance en vous, les gars. De ouf. Bon, c'est pas en vrai, Oui, je commence par ça, c'est. merci. Attends, c'est toi qui l'ouvre. Oui, c'est moi Non, qui mais l'ouvre. mets ton porte-proche du truc. C'est Noël, c'est Noël. Oui, c'est Noël, vas-y. Le Père Noël, Non, qu'est-ce qu'il mais vous a recule donné? pour pas Le qu'on Père voit Noël, la. Trustmaster! Trustmaster. Trust. Croire, croire, croire au maître. Croyez au maître. Attention, croyez au maître, les gars, croyez au maître. Faites Trustmaster. confiance au maître. Donc, c'est un unboxing, les gars, unboxing. Alors, c'est satisfaisant d'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça? Même moi, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je dois deviner ce que c'est. Mais même moi, je sais pas ce que c'est. C'est un cockpit! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc là, c'est le cockpit mounting.
Donc à mon avis, c'est pour la base du T818. Ok, c'est un truc spécial pour le T818. C'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Thrustmaster, les gars, vous voyez, hein. Thrustmaster. Voilà, passion, quality, innovation, pa. Et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors c'est un truc pour attacher, tu vas comprendre. C'est pour attacher. Ouais, ok, bon, en vrai, c'est cool, mais en vrai, c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est pas un truc de ouf. Ok, on enchaîne. Attention, attention. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Attention. Je me suis touché. Mais oui, fais attention, c'est dangereux. T'inquiète. C'est dangereux. Alors, en tout cas, alors, c'est bien emballé. C'est super bien emballé. Thrustmaster, vous êtes les meilleurs en emballage. Ferrari 488 GT3 Wheel Add-on. Waouh! Waouh! C'est fait, les bleus sont le champion du monde! C'est comme un bang! C'est super oh là, on va montrer la caméra bien comme il faut, vraiment. J'imagine que c'est un volant. Waouh! C'est très beau, genre, je trouve que le design est très original. Je trouve ça super beau. Magnifique! Donc, ça, c'est. Lis ce qui est marqué sur, sur la boîte. Compatible with two quick relay systems for Thrustmaster Racing World Bases. Adapté à deux systèmes d'attache rapide des bases Thrustmaster. Voilà. Bilingue, parfait. Ferrari 488 GT3 Wheel Add-on. C'est la nouvelle roue Ferrari, les gars. L'open c'est wheel, la nouvelle. C'est la nouvelle, c'est la réplique identique de la 488, les gars. La réplique identique de la vraie voiture, donc la 488. Donc on va déballer, Ah ouais, on déballe, mais oui, mais oui, en course. Doucement, hey, prends ton temps. Laisse-moi faire. C'est trop bien de déballer des trucs. Attends, mais pause. Est-ce que le concept vous plaît? Dites-moi dans le chat vraiment si le concept vous plaît, parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de très organisé, je fais ça un petit peu à l'arrache, mais en vrai, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, et merci pour toutes les personnes qui sont présentes bon, sur allez, la live. On a pas le temps. Oh, attends, t'as ouvert? Ouais. Oh, c'est magnifique. Alors déjà, quand on ouvre, on voit, je trouve que ça fait très quali. Thrustmaster, c'est quali, genre Thrustmaster, vous avez glow up. Non, ils ont pas glow up, ils ont toujours été top. Ah, ils ont toujours été top. Après, ils ont eu un petit moment de faiblesse. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont surgi. Ok, en tout cas c'est super quali, j'ai l'impression d'être dans une voiture quand je vois ça. Waouh. Waouh. Attends, on va déballer ça tranquillement. Oh, c'est trop stylé. Waouh. Ma mère, il est trop beau. Il est trop beau, attends, voir. Waouh. Trop stylé, franchement, je valide. C'est validé. Waouh. Oh, la qualité. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est stylé. Regarde la qualité, c'est du carbone. C'est du carbone. Magnifique. Donc ils ont mis une plaque en carbone. Les boutons, pas des boutons, ils sont. Ouais, c'est des boutons. Pas ouf les boutons. Ouais, c'est pas les meilleurs boutons du monde. Tu sens, c'est des bons boutons, mais c'est pas les meilleurs boutons du monde. Après, oh tout fonctionne. T'as vu? C'est pourquoi ça? Ça s'appelle. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Un potard. Radio? Comment ça radio? Bah c'est pour parler à la radio à ton équipe. Genre tu appuies sur ce bouton, tu parles avec ton équipe. Avec le micro, c'est radio, assez et flash, est-ce que, c'est, je sais pas, auto. Ça c'est pour faire comme la Lamborghini, je sais pas. Mais non, mais c'est Ferrari là. Ah, Ferrari. On voit bien les gars, regardez là, et il est immense, vraiment, c'est vraiment une roue 33 cm, non 31. Donc là, elle est vraiment belle, derrière, tout est quali, tout est neuf. Il y a quelqu'un qui t'a dit sois objectif. Franchement, écoute, moi j'ai pas connu beaucoup de choses moi dans ma vie. Moi je te dis arrêté. Bah oui, c'est très beau. Je suis choqué. Oui, moi je trouve ça beau. Soit elle est objective, elle va pas mentir. Moi qui n'y connais rien, je trouve ça très beau parce que je trouve on dirait une PSP. Mais non, mais abuse pas. Tu vois, à l'époque, pas une... Oh, c'est n'importe quoi. Si, je sais pas, en fait ça fait Game Boy. Genre. Non, mais c'est pas une, c'est une route GT3, décidément. Non, pour moi ça c'est pas une route, pour moi c'est une Game Boy. Mais abuse pas, wesh. Bah franchement, je... Ah, tu sais qu'elle est plus grande que ma roue à moi. T'es content, ça doit être content. De ouf, de ouf. Ah ouais. Ok. Les palettes, donc c'est les palettes magnétiques, les gars, qui sont dessus. C'est des palettes magnétiques. On va écouter le bruit qu'elles font, juste pour voir. Elles font un petit bruit, quand même. Hein. Elles sont pas silencieuses, mais ça va. Oh, ça, c'est bien, ça. Waouh. Il y a énormément de boutons. J'ai jamais vu autant de boutons, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du coup. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Donc il y a 19 boutons plus les potards. Donc il y a à peu près au moins, je dirais, 12 positions du coup. T'es ouvert quoi? Madame va pas kiffer si elle dort. Ouais, c'est exactement ça que j'ai pensé quand elle dit. C'est exactement ça que j'ai pensé. Et qu'est-ce que t'en penses du poids? Il est de léger. Ah, il est léger? Ouais, je trouve que c'est léger. Ok, moi je trouve ça va. Mais c'est vrai qu'il est léger. Il reste léger. Bah oui, c'est bien qu'il soit léger, non? Ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui aiment quand les roues sont un petit peu lourdes. Voilà. Il est beau, hein, franchement, il est magnifique. Très beau, très très beau, vraiment. En fait, ça fait... ça fait pro. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va falloir rouler avec la Ferrari. Et toi, tu sais, c'est quoi ma voiture préférée? C'est la Porsche? Ouais. Ouais, pourquoi? Faut rouler avec la Ferrari parce que c'est un volant Ferrari? Ah. Voilà, donc le 488 Wheel Add-on, donc la réplique officielle de la 488 GT3. Donc c'est pas la nouvelle de 96, mais c'est la 488. Et franchement, je suis comme un dingue. Merci Trustmaster pour ce beau produit et il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Même mon chat, il kiffe Trustmaster. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que c'est? Wow! Let's go! Encore un autre truc. Let's go! Je suis choquée. Bah, dis donc, t'es gâtée, hein. Mais laisse tomber. C'est du coup, qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est la 599XX Evo 30. Tu veux que je fasse gagner un truc? Bah oui, tu fais gagner un truc, t'as deux volants, t'en fais gagner un. J'ai pas deux volants. Mais ça, c'est une roue. Ouais, mais c'est pour moi. Tout pour toi. Bah oui. Oh ouais, ok. Faut faire kékro. Tu veux que je fasse kékro? Bah oui, fais kékro. Oh non, c'était pas prévu dans le contrat. Mais si, faut faire kékro. Doucement, vas-y, ouvre. Ok. Waouh. Alors? Oh là là, il est vraiment stylé. Alors, vas-y. C'est ça quand tu passes les vitesses? Ouais, c'est ça. Ah, c'est stylé. Il est agréable au toucher, genre. Là, c'est l'Alcantara, c'est ça l'Alcantara. C'est ça que je préfère. Je préfère 100 fois l'Alcantara. Tu préfères ça à là-bas? Ouais, ouais. Enfin, le toucher, tout le monde préfère l'Alcantara, je pense. Et puis c'est plus classique. Après, il y a le cuir aussi qui est bien. Ah, cette matière, ouais, c'est du daim. C'est du l'Alcantara. Ouais, mais ça, quand tu transpires et tout, ça fait des marques après. Ça fait des marques, ouais. Sur la durée, ça reste pas bien, quoi. Ouais, ça fait des marques. Elle a tout dit, ça fait des marques. Ouais. Donc là, c'est la route. Faut l'imperméabiliser, ouais. Comme les Hugs. Non, je suis pas sûr. Oh, t'as vu, c'est agréable. Hein. Oh là là. Wow. Ouais, grave. Elle est agréable. Peut-être qu'elle est plus grande, la Ferrari, les gars. L'Open Wheel, elle est plus grande en taille, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de boutons sur la 599. Un peu chiant. Vas-y, c'est quoi qui te fait rire? Il y a quelqu'un qui a dit donne ton chat, un petit peu. Jamais! Jamais! Ça fait rire, ça. Hey, arrêtez de faire rire, madame, s'il vous plaît. Bon, franchement, banger. Quand elle est sortie, les gars, elle date, hein, les gars, hein, cette 589. En vrai, je pourrais faire gagner ça. Hein. Mais t'en as deux. Bah, en fait, c'était prévu pour moi. En fait, je vais être honnête avec vous. Tout le matos là, qui est arrivé, c'était prévu pour moi. Et. C'est comme un enfant qui veut pas prêter ses jouets, genre. Je sais qui a écrit ça. Oh ah, my god, c'est lourd ça. Ah, c'est lourd. Ça, ça se voit, c'est. Tu sais ce que c'est comme mot? Comment on appelle ça? Ah ouais, c'est le truc là, que tu colles et tu mets ta roue dedans. Ouais. Ça s'appelle un... À ton avis, c'est un mot connu en plus que tout le monde dit. Dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, oui. Quelqu'un a inventé ce mot, ça vient de Paris en plus, je crois, c'est un mot de Paris. C'est vraiment... Genre quand tu dis la queue de cheval... Attends. Attends, on essaie, je vais te donner des petits indices. Une paire d'Air Force One. C'est... Ok, attends, elle a rien compris, mais je vais essayer de... un dégradé pour un homme. La base. C'est une base. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Là t'es bête, t'as trouvé, je crois. Eh, hey, je suis trop fort, franchement, je suis trop fort. Eh, hey, on pourrait jouer à des jeux et tout, genre. Allez, on ouvre. On ouvre doucement. Waouh, c'est le T8-18. 818.
Elle a dit le T8, 18. Mais parce que c'est trop bizarre comment vous dites vos trucs, le X, V. Elle a dit T8, 18. Mec, c'est marqué 818 en fait. Attends, c'est marqué quoi là? On dit encore. Trust, press mask, passion, quality, innovation. Passion, qualité, innovation. C'est pas pareil en français. Alors. Waouh. Déjà, le packaging il est beau, je trouve. Voilà le bébé. Voilà. Hop là. Il est très lourd. Et maintenant, on va ouvrir. En gros, là, c'est le T818. Donc la boîte est plutôt belle. Donc là, c'est le logo. Et je suis ambassadeur Trustmaster, les gars. Laissez-moi faire mon travail. Allez, là, on ouvre. Attends, doucement. Je vais garder la boîte. Non, on ne regarde pas la boîte. Ah, stylé. Waouh. Welcome. Bienvenue. Redouane et Saoud, bienvenue dans notre secte secrète. Quoi? Vas-y, continue. Non, je rigole. Mais par contre, c'est ta carte membre. Oh. Eh oui, il est rentré dans le clan. Il y a le QR code, mais faut pas leur montrer. Ouais, faut pas leur montrer le QR code. Frère, depuis plus de 25 ans, Redouane Messaoud, on te suit. Tu es un pilote formidable. Tu as passé beaucoup de temps sur ton simulateur. Donc voilà. Attention, tu fais pas tomber parce que si ça s'attend, ça se casse. Ouais. Montre la marque quand même. Bah, Trustmaster. Ah, il s'est marqué? Bah oui, en fait. Ah, ok. Donc voilà, c'est très très lourd. Si vous voulez voir les détails. Donc le T818. C'est très lourd, j'avoue. Alors c'est un direct donc, drive. C'est ça la base. C'est ça, ça s'appelle un direct drive. Un direct drive. Tu sais ce que c'est un direct drive? En gros, je t'explique. Avant, les volants, on mettait la force reproduite dans les jeux vidéo par le biais d'une courroie. T'as compris? Il y avait comme si il y avait deux moteurs. Un moteur qui prenait l'information et qui renvoyait dans un autre moteur grâce à des croix. Mm-hmm. Donc des croix, c'est-à-dire c'est un cheminement qui ramène la force dans un autre moteur. Et ça crée de la perte. La perte de performance. La perte de puissance. De force pack. Okay. Et du coup, il y a une technologie qui est arrivée en marché qui s'appelle le direct drive. Comme son nom l'indique, le moteur il est intégré au volant. Okay. Donc le moteur, okay, il est intégré tout de suite et retransmet la puissance au volant. Ah ouais. Sans passer par deux doigts. C'est pour le sim racing ou dans les vraies voitures? Non, dans les vraies voitures, c'est direct aussi. C'est direct. D'accord, ok. Il est lourd le direct drive. Je pensais pas qu'il était aussi lourd. Et il est gros. Je le voyais plus petit que ça. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Donc là, ça c'est les quick release. Donc apparemment, le quick release, tu dois ouvrir cette pince. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Ils ont dit, eux-mêmes, ils ont pas compris. Ça va, parce que moi, je faisais genre. Hein. Dans la vidéo sur YouTube, je vais mettre des chiffres, des calculs. Non, mais en vrai, dommage que je suis pas très... Y'a pas des gens qui sont bons dans les montages dans le chat? Genre des gens qui sont chauds dans les montages. Elle a dit c'est bancal son explication. Oh, de ouf, elle est trop bancale. Bon, du coup, c'est quoi que vous avez préféré dans tous les trucs qu'on a ouvert? J'avoue. Le direct drive. Je pense que tout le monde va dire ça. Ah ouais? Parce que ça, c'est le direct drive Trustmaster. En gros, ça, sans ça, t'as rien. Sans ça, y'a rien. Ouais, c'est ça, la base, quoi. Moi, le truc que j'ai préféré, si vous voulez savoir, c'est ça. C'est vous que j'ai préféré. Oh, merci beaucoup, Gore-Tex. Merci. Moi, c'est le garçon. Moi, c'est le chat. Ah, c'est le chat. Ouais, ils s'en foutent de Trustmaster. Non, les gars, calmez-vous. Les gars, s'il vous plaît, un minimum de professionnalisme. Et qu'est-ce que vous aimeriez gagner dans tout ça? Non, mais ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud à faire négocier. En vrai, là-bas, parce que moi, j'ai pas de direct drive. La nouvelle technologie. Toi, t'as pas ça? J'ai pas ça. Non. Ça, c'est pour ça que c'est pour moi, en fait. Ah ouais, d'accord. T'as compris? Ah, tu t'es trop chauffé là, tu m'as mis un peu dedans là. Ah, ok, pardon. Mais vas-y, c'est elle qui choisit. Pression là. Non, mais en vrai. On en répond. Écoutez les gars, écoutez, tu sais quoi? Je vais faire en sorte, dans pas longtemps, de. On va dire, entre guillemets, de demander donc. Du coup, au pire, on fait gagner ça. C'est bien ça, non? Cockpit. Merci beaucoup. Ils sont trop mignons. Faut savoir c'est un truc. Les profiteurs. Non mais moi je suis le genre de gars, j'ai envie de donner. Je vous le dis honnêtement. Franchement, je vais être honnête avec vous, je vais peut-être vous faire gagner un volant. Mais lequel? Non, c'est la question, c'est lequel? Lequel? En fait, c'était prévu que je garde ça pour moi. C'était prévu les gars, c'était vraiment prévu. Moi je devais juste donc vous montrer le nouveau matos Trustmaster, donc la roue F
488 Will Adon. Non, ils veulent pas. Je crois qu'ils ont meilleur matos que toi. Il n'y a pas à dire ça. Ouais. Ça sera coupé au montage, je vous le dis. Ils veulent pas, il faut que je dise garde, garde, garde. Si, t'inquiète, j'ai déjà tout ça, moi. T'inquiète, j'ai mieux, moi. T'inquiète, t'inquiète. En vrai, garde tout. Hein. Mais ils sont équipés en fait, t'as une commune, ils sont équipés. Mais les gars, ils sont tous équipés, ils ont tous des. Et moi, j'ai... en fait, je suis moins équipé du game en fait. On a rigolé tous ensemble pour justement ce unboxing de la part de Trustmaster. Je rappelle, hein, merci Trustmaster, je suis ambassadeur de la marque. Donc j'essaie de représenter au mieux. Dites-moi dans le chat si j'ai bien représenté la marque. Dites-le moi, vraiment, j'ai envie de savoir. Je veux voir vos commentaires. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir. Si ça va, j'ai bien fait le taf, tu vois. Après, attention, moi les gars, je vous dis honnêtement, ça fait 15 ans, et ça, personne ne pourra me l'enlever. Ça fait 15 ans que j'utilise du matériel Trustmaster, et j'ai toujours gagné mes compétitions avec Trustmaster. Le pire ambassadeur. T'as géré avec la madame. Merci, la vérité. La vérité, Smoke Street, pour les gens qui me connaissent, j'ai toujours gagné mes compétitions avec Trustmaster. Il y a eu des trucs là. 5 abonnements. Trustmaster. Oh, let's go. Non, ils n'auront pas la rêve, je pars en steak. T'as dit quoi? C'est un truc, c'est Béliève, croire en nos rêves. Béliève, croire en nos rêves, merci. Faire confiance au maître, Trustmaster. Voilà, c'est mieux.